Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un jeu qui a fait parler de lui pas mal de temps. Je suis Edes et la mort est à mes pieds. Et j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va vivre quelque chose d'une aventure story Minecraft. Let's go! Alors, on peut choisir son personnage en apparence, comme en évidence. On peut être un beau bonhomme de style très. Voilà. On peut être une fille, tout ce qu'il y a de plus simple. Je sais même pas si on peut les faire bouger, je pense pas. Moi, je le dis, je vais prendre ce petit bonhomme. Il me fait marrer, il me fait penser à moi avec le petit pantalon marron, les bretelles assez cocasses, assez vertes, assez fluorescentes. Et puis, c'est le gars qui est toujours sourire pour rien du tout. Ah, c'est parti. J'ai choisi mon bonhomme. L'ordre de la pierre. Commencez l'épisode 1. Cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites. L'histoire détermine de votre façon de jouer. Et vous savez bien que j'aime bien. Rien de ce qui se construit ne dure éternellement. Et toutes les légendes, même les plus grandes, finissent par disparaître. Chaque année, de plus en plus de détails se perdent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des mythes, des semi-vérités, ou disons-le clairement, des mensonges. Et pourtant, dans tout l'univers connu entre ici et la Terre lointaine, la légende de l'or de la pierre perdure aujourd'hui encore, inchangée, comme pour mieux attester de sa véracité. Seules les nations en proie aux troubles ont besoin de héros. Et la nôtre a eu la chance de si bien longtemps de se trouver quatre grands héros. Gabriel, le guerrier, dont l'épée faisait trembler tous les combattants. Elegard, l'ingénieur, dont les machines détonneraient l'essence d'une nouvelle ère d'invention. Magnus le roublard, capable de canaliser sa créativité, destruction pour aider les autres. Et enfin, Soren, l'architecte, bâtisseur de monde et chef de l'ordre de la pierre. Ensemble, ces quatre amis ne reculent devant aucun sacrifice pour devenir vrais héros. Leur plus grande quête leur impose un retour d'un périple au bout duquel ils font une mystérieuse créature connue sous le nom de Dragon de l'Ender. Au bout du compte, l'ordre de la pierre triompha et le dragon fut vaincu. Leur quête accomplie, les quatre amis entrèrent dans la légende. Avec son rire, le mec, comme ça là. J'ai gagné! Mais quand une histoire s'achève, une autre débute. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor. That's easy. I'll take the zombies de la taille d'un poulet. Les petits zombies, quoi. 100 of them crawling all over you. Imagine centaines d'entre grouillant sur toi avec toute petite main. All I'd need is like a shovel. Franchement, c'est trop facile. So donc, I've got a daylight sensor on the roof. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. À la tombée de la nuit. I didn't want to just leave Ruben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? Bah vraiment? What kind of question Quelle is that? Évidente. Of course he is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know, amateurs. Ruben's my best friend. Ruben est mon meilleur ami. I thought I was your best friend. Je croyais que c'était moi, ton meilleur ami. Tous les deux. I didn't mean anything by it. Je suis contente. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. We are not losers. On est pas des bidables. We lose all the time. It's what we do. Bon, d'accord. Okay, that might be true. I can't remember the last time we won. Pas de la dernière fois. But if that's the case, it means we win. Je vous laisse lire, les amis. Je suis désolé, j'arrive pas trop à lire non plus. Bon, d'accord. Je me comprends à peine quand je parle déjà. Tu as entendu ça? Oh no! Boom! La blague. Oh man, you guys totally freaked out. That was Oh man, le cochon qu'on fait méchant. Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. I thought we were buddies. That wasn't funny, Axel.
I brought you good times and now I'm being punished for it? You scared us half to death. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Ruben a disguise? We're going to a convention. C'est le cochon, les amis. N'importe quoi. Il a l'air ridicule, ça lui a... Super bien. Awesome. It only took me like a million hours to build it. All right, all right. D'accord, d'accord. Oh you non. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. C'est de c'est lui enlever. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Il y a les bruits du jeu, les amis. Il y a les bruits du jeu du Minecraft. Pour tous ceux qui connaissent, c'est vraiment quelque chose d'assez bien, en fait. Ah ouais, d'accord. On peut viser la bannière. Regardez. One of these days, on va finir par gagner le concours de construction de l'Undercon. D'accord. When we do, people will look at us and say, hey, there goes Jesse and Ruben, winners of the Endercon building competition. They really should change the name. D'accord, alors ils seraient prêts à vouloir gagner un concours qu'ils n'ont jamais gagné apparemment, moi je pense que c'est ça. Ouvrir, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Shears, definitely taking these. Je les prends, on sait jamais quand on peut avoir tondre. Un mouton. Et Gabriel, son mentor. Gabriel, the le guerrier, bah oui. You think we'll ever get that famous? It's not impossible. Maybe I'll get famous for my peut-être que ma jolie collection d'affiches me rend célèbre. Ah bah oui mec. Sortir de chez toi. Qu'est-ce qu'il prend? Steel, not too shabby. Bon bah on prend quelques petits objets apparemment. Je vois pas trop. Je peux pas aller. J'ai juste quelques trucs que je peux cliquer. C'est tout simplement ça. Il y a une trappe. Ah. Qu'est-ce qu'il a? Ah c'est la trappe. Oh, bah, on s'en va. Bon j'ai pas tout visité. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. That's everything. Let's roll. Ah, roll. Yeah, dude. Roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, the special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is gonna get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally. He's awesome. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. So... does this source of yours make posters for a living? Huh? Oh, ah oui. Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Oh, c'est gentil. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. Faith, Olivia. What? A little slice, a sliver. A portion, just a little faith. That's all we need. Also, I'm hungry. To win. No, no, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay, then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than creepers. They both have their moments. Both pretty scary. Then again, you scared the crap out of the creeper today. Let's build a zombie. I guess that's kind of like a creeper. Eh, it's a monster. Donc c'est un monstre. We are so ready. Yeah, I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare on three. No, 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 no. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it.
Team on three. One, two, three. Team! Prepare. Let's go! Ah, ils sont heureux. C'est parti. Ah, je sais pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est génial. Ah, il veut prendre du bois. Allez, on casse avec les mains. Oui, c'est ça. Ça, c'est du Minecraft. Le cochon se demande, qu'est-ce que je fais? On fait des pompes. Gabriel! Oh, le mec il est tellement rapide. L'entraînement. I'm not just ready to build. I'm ready to win. Nice pig, losers. Chouette cochon éminable. Oh, great. There's Lucas and the Ocelots. On a de la the rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. On y va les copains. Name, please. Votre Axel. Nom. Axel. And, how do you do? No, your team name. Le nom de votre équipe. Team name. Le nom de notre équipe. We are not ready for this. On ne s'est pas préparé à ça. On est l'ordre du cochon. On est les finaux. So much for losing anonymously. We're the dead enders. Whoa. Wow. Sounds like a name for pirates. It's cool. C'est cool. Okay, dead enders. You guys are in booth 5. C'est le box 5. Que des moqueurs, hein. C'est comme ça tout partout. Hein. Y a toujours un moqueur ou deux qui gâche des moments de plaisir en fait. Le box 5, vous reconnaissez pas le box 2. On va éviter de fouiller, je pense. Ouais, on va regarder, tiens. Allez hop. Moi je fouille. Hein. Je suis un gros fouilleur. Non, j'ai pas le droit. Alors. Box 3, box 3, bonjour, box 3, inscription, non, pas box 3, box 5, il a dit. Ben, les v'là. Salut. Is that a freaking beacon? C'est une balise. Je crois pas, ils ont une fiche balise, une balise. Freaking beacon? That's stained glass. Un beacon. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. We're gonna lose. Our design is way cooler. Un truc qui fait de la lumière. Their difficulty score is going to be higher than our total score. We've got something they don't. Fireworks. Fireworks. We should probably stop staring at them. Look, it's the order of the losers again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. EnderCon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. I'm saying he's food. You really shouldn't mess with Reuben. I do what I want. Besides, what harm can a pig do? Keep talking and find out. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Ouais. Hey, Jesse. Guys. Hey, Pet. How's the build going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra. I forgot to thank you for that nether star. Hey, Lucas. Not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. Oh, that's none of us know where to find you. Exactly. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds are?
We're cool with Petra, but you need to teach your friend some manners. He's just trying to get in your head. Well, have you heard the saying, it's possible to be nice and win? Sounds like something a loser would say. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon Building Competition! Bonjour. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet in person mal dans ce jeu, Gabriel the Warrior! Pour voir Gabriel. Ocelot! Whoa, handshake? We don't have a handshake. On en a pas, nous. We'll just make one up. On va en inventer une. We'll call it le poignet de l'Ekikiner, le coup de la Redstone, la main du guerrier ou le salut du bâtisseur. The Builder Bump. Non. And just like that, I'm nervous. Personne ne se souviendra de ça. Like ah, mais... do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year, the Dead Enders can't lose. Let's do it. Allons-y. Building starts. On va voir après quand se passer. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Oh, la vitesse. Oh, no. A fireworks dispenser. I'm so scared. J'ai peur. You worry about your build. Occupe-toi de ta construction et nous, ours. On s'occupe de la nôtre. Ho ho ho! Le zombie! Ah, il triche! Oh, le tricheur! Oh, il a quelque chose de mauvais en tête! And now, et maintenant, l'instant de vérité! Here goes nothing. C'est parti! This looks so cool. La vache, qu'est-ce we'll que win c'est cool! This, on va gagner, ça c'est sûr! How could anyone not comment les juges pourraient-ils ne pas adorer notre zombie? Super idée, Jesse. Guys, people are looking les amis, at us. On nous regarde. Good build, man. Chouette construction. What? C'est pas possible. Way. It's just a bunch of dyed wool. Un tas de laine. Oh non. Oops. Oh no, Ruben's on fire. Ruben, no, come back. It was Aiden. The lava's getting closer. We're gonna ruin the build. Ruben's going to get lost. We've got to do something. But our build is about to go up in flames. We've got to get Ruben. Il faut retrouver Ruben. Ouf. Faut retrouver notre cochon, notre cochon. Vos amis sont venus pour vous épauler. Oh non, notre machine. I don't see him anywhere, Ruben. Pas Ruben. The sun's going down. Il a du temps, we gotta il faut find le retrouver fast. Vite. He could have gone anywhere. A pu partir n'importe où et c'est parti de la forêt est immense. On a plus de chances de le retrouver si on se sépare. Si l'un d'entre vous perd, vous pourrez retrouver la ville grâce aux lumières de l'Undercon. Pigé. Ok, pigé. Oh non, les amis. Notre cochon, Ruben. Where are you? Just où give me tu es, grande, si tu m'entends. Les traces de sabots. Il n'y a pas grand chose. Ruben? Oh non, on s'enfonce, les amis. Ruben, I don't want to be out here in the dark. Je crois que je l'entends. Ruben, where are you, buddy? I hear some pigs. Hey, Ruben, I got a carrot for you. Where are you, buddy? Ruben, il fait noir, j'ai peur. Oh, il y a encore des traces de pas. These definitely belong to a pig. Été faites par un cochon. No way Ruben made these on his own. Peut pas courir le petit bonhomme là.
Oh, Ruben, tu es où? Oh mon dieu! Ruben, are you in there? Ruben! No, not you, but pigs! Hey, all pigs but Ruben, shut up! C'est vrai quoi? Oh! Ruben? Hello? Yeah! Il est où? Encore des traces. On a plein partout. Oh, y a personne. Ruben, tu es où? Oh, les amis, aidez-moi. Il est où notre ami? On s'enfonce dans la forêt, c'est pas bon, c'est pas bon. Je le dis parce que moi j'ai peur. Des forêts immenses comme celui-ci. Oh! Il fait nuit noire. Ruben, it's getting scary out here. La situation devient terrifiante. J'ai vu costume. Can you hear me, boy? Tu m'entends, mon petit ami? Ruben? Ruben? Oh no, you in there, buddy? Oh jeez, please don't be toasted, Ruben. Pas grillé, Ruben. Ouf. Oh là 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 là. Ouais, on a éteint. J'ai éteint le. Ruben, is that... Oh! Oh non! Oh, je suis parti où, moi? Je suis où? Il y a un trou noir. Je préfère faire demi-tour. Ruben? Je peux pas faire demi-tour, les amis. Ruben! Ruben! Oh, le pauvre, il est terrifié. Ruben! There you are! Oh, hey, buddy, you want a carrot? Une petite carotte, mon ami. Je suis sur le corps d'ici, tu vas avoir des ennuis, je suis content de te voir. Let's get out of here, Ruben. Je suis sur le corps d'ici. Hope you're ready for some more walking. Je vais marcher, hurry back to town if we don't want to run into. Plus vite si on ne veut pas croiser. Oh non! Trop tard! Ruben, run! Cours, Ruben! Je crois que c'est bon. I think we're good. Oh, I think we made it. Oh, what did you? Oh, d'accord, c'est l'interaction, les amis. Behind me. I've got you. Oh yes! Ah son bout de bois il va pas résister. Hey.
Oh, je peux pas, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire, les amis. Ruben, viens, j'en aide. Ah, les amis, c'était chaud. Oh mon épée! Oups! Stupid wooden sword! C'est une épée en bois. Eh bah oui, c'est pas la qualité, hein, c'est Ikea! C'est... Oh non, bah le con! Too many of them, buddy! Don't leave that spot, no matter what. You hear me? Oh non! I got you! Get away from him! Oh, oh, il a coco. Got you. Oh, on se casse! Get off me! Ah! Ah. Mais non. Ah bah. Merci. Come on, let's get out of the open. Allez viens, ne restons pas ici. En fait, je voulais rester sur place, moi je voulais faire mon petit malin. Oh, j'ai récupéré des ficelles. Ah, c'est peut-être un point ça. Je sais pas c'était quoi. Oh, le Ruben. Not that this isn't a really cool dimly lit tunnel. Les tunnels sombres. How far away is this thing you want to show me? Comme ça. Careful, Jesse. Fais gaffe, Jesse. Don't want to get a reputation as a mauviette. This isn't my first time in a cave, Petra. Yeah, but have you ever seen a wither skull? Whoa! Fresh from the Nether. You're the first person I've showed it to. So, you'd better appreciate this. That's insane, Petra. You could have gotten yourself killed. Don't worry so much. I can handle myself. There's this guy I'm meeting up with at Endercon. He's gonna trade me a diamond for it. D'accord. Being the resident go-getter pays off every once in a while. Literally. Why didn't he just go get the skull himself? He's not the kind of guy who has time to do something like that. What kind of guy is he then? The kind who understands the value of hard work. Wow, what? In a single day, you went to the Nether, you killed a wither skeleton. I mean, I did build a super cool statue, but still, it's pretty sweet being you, huh? Bon, c'est vrai, c'est pas top la statue zombie, franchement. Pff. C'est une histoire avec l'interaction. I mean, if you're too nervous, I totally get it. But I wouldn't mind a little backup. I'd be honored to be your backup. You don't have to make such a big deal out of it. I just said you could come with me. I know. I was there. It was amazing. Kind of starting to have second thoughts here. Pas du TD. Just keep a crafting table down here. Comes in handy. C'est pratique. Since that wooden sword of yours got busted, you're giving me a new one. Even better, you can make your own. Tu vas t'en fabriquer une. Oh yes, on fabrique son épée. Un bâton de pierre et voilà une épée. D'accord. Hop, on ouvre. Just grab what you need. Pense qu'il te faut. Oh, okay, thanks. Oh, merci, c'est gentil. Hey, is all this stuff yours? No, we're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here. Of course, c'est à moi. Just making sure. Oh, here we go. Jackpot. Jackpot. Alors comment ça fonctionne? Just place the pieces on the table. Yes! Oh, la construction elle est facile! Vous avez fabriqué une épée! See? Isn't it better when you make it yourself? Quand on le fait soi-même, non? L'épée de l'amour! L'épée de l'amour! Check it out! Endercon's all lit up! Ah, regarde l'Endercon! Oh man, looks like Lucas and his ocelots won again! Encore gagné! Sorry, Jesse! Désolé, Jess! But you've got to admit, that beacon does look pretty sweet. Yeah, yeah. Ouais, ouais. Bah sinon je t'aurais pas rencontré si on aurait fait pas tout ça, quoi. We finally beat that jerk. You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations.
You might want to get to know him, just in case. He's good at building. Apprendre à le connaître. Aucune chance. Tu as peut-être raison. Ça me plairait pas. À Olivia ni à Axel. Even if I wanted to get to know him, there's no way Olivia and Axel would go along with it. Olivia and Axel aren't the boss of you. C'est pas tes chefs. Just. C'est mes amis. Okay. C'est mes amis. Come on, let's hurry. Remember what Endercon was like before? It was cool. C'est pas bien ça. Remember what we were like before we were cool? Some of us will never be cool. Ha ha. Mais non, on trahit jamais ses amis, ça se fait pas. Oh creepers. Non, mais là, des creepers. Crap. Des zombies. De l'eau. This oh non, ça. Look good. Ça sent pas bon. Moi, j'y consote. Well, there's only one way off this bridge. Oui, sautez, do, on se bat. Non, sautez, sautez. All on right, saute. Let's jump. Les amis, voilà ça, j'appelle ça de l'action. Et en plus, c'est la fin de cette première épisode, j'espère que ça vous a plu. Minecraft Story Mode, c'est un jeu pour tous. Aussi pour les grands, comme pour les petits. Car moi, vous savez, je fais souvent des jeux d'horreur. Et bah cette fois-ci, ça change. Minecraft Story Mode, il y a la nouvelle saison qui est sortie. J'espère pouvoir le faire un jour à vos côtés. En attendant, je vous laisse cette petite scène assez romantique dans les airs. Aux côtés d'un creeper. Allez, ça sera pour la prochaine les amis, je vous fais de gros bisous. Commentez, likez, partagez, mais surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez zou, c'était ZS et la mort est à mes pieds. 'Cause you know, you dive into the water. You don't land on top of it. Pull yourself together and follow me.